Petite Reine de Clémentine Beauvais, paru chez Sarbacane, prix Sorcière 2016 dans la catégorie roman ado. Mireille n'est pas une élève populaire, elle est moche, elle est grosse et elle est victime d'autres élèves, justement, les populaires du collège, qui ont décidé tous les ans d'organiser un concours de très mauvais goût, élire le meilleur boudin du collège. Et Mireille a été élue boudin d'or plusieurs années de suite. Et cette année, elle n'arrive que troisième. Et elle décide, d'aller à la rencontre des boudins d'or et d'argent. Elle va les rencontrer, elle va s'en faire des amis et elles vont décider de retourner la situation et décider de monter à Paris. Donc elles vont intéresser la presse locale qui va suivre leur périple parce qu'elles ont décidé de monter à Paris, non pas en TGV comme tout le monde, mais en vélo. Et à chaque étape du parcours, vous rencontrez la population qui va venir de plus en plus nombreuse les soutenir et prendre fait et cause pour ces jeunes filles qui vont revendiquer en fait haut et fort ce nom de boudin. C'est vraiment la vie de trois adolescentes alors, auxquelles on s'attache énormément car l'écriture de Clémentine Beauvais est à l'image de son personnage. Elle est vive, joyeuse, pleine d'humour et on a vraiment pas envie de lâcher ce livre. Et à la fin, les trois boudins, bah, ça devient un peu nos copines. Hein.